Ma Mission TV, le miroir du monde. Jusque là, likamweta les libertés d'expression dans la République démocratique du Congo, nanu penza et vandi bien bien te. Parce que ceux qui ont meki kaka kosa la analyse sur l'échec du régime actuel, yeba kake okozwan des problèmes. Pona kota mou la ville province ya Kinshasa. Et puis, na ko respire mou pepe ya tata Nzambe et koko me la yonde problème. Ndeko journaliste oyo bozali komo na bouye. Komo na Yesef Wembi. Azali korespondant ya New York Times. Aouta kinaye. Conférence de presse ya ministre de communication Patrick Muyaya. Lokola, azala ki na rendez-vous na Lion Hotel na commune ya Gombe. Ako mana liye ya rendez-vous. Dzokande. Thérèse là qui est bien miné na ba Jean Moko inconnu tango pe a sentir suspect moi na maya bukana ki na yete mala moko azwa chombo akomela madame na yeke ndenge nazali awa nazali na Lion Hotel kasi situation nazali komona ezali un peu compliqué mama pe na pale azwa trouble ba sangana na madame na ye mala moko na mutuke wo destination Lion Hotel ba koti na kati ba solo na ye. Loko na bazalaki pe kaka obligé ya kobima pour ke bazonga ndaku na kobima na bangonde situation eyaki kokoma plus grave parce que batu wana non identifié balingaki kaka bakende na ye loko la bazalaki résistance mbala moko dossier baluki batoka bango Steve Wembi mwasi na ye mama na bango et puis na confrère na ye journaliste et correspondant ya RFI Pascal Mulegwa. Bango tu, mukwata donc, batia bango na mutu kape, bake na bango. Kasi après quelques heures, ba yaki ko libere mwasi na ye, maman, et puis na Pascal Mulegwa. Il paraît, ba memaki bango nde na ba bureau, ya aner. Mais si koyo, Steve Wembi porté disparu, et puis numéro na ye ya téléphone, ezali ko liganate, soki kaka omeki ko benga yango, Monde le wana faye bisayo que les numéros de ses correspondants et soit éteint ou bien allié tchombo. Motif pe arrestation na ye, ti si koyo pe e banite. Mais selon ba rumeur ou ezali ko circuler za que ba koma ki deja ko ligne la yeboul chez ba taliban ya I2PS parce que à chaque fois ye a salaka kaka ba publication ya ba M23 donc ba koma komo na Steve Wembi lokola espion ya ba M23 yango lelo ba koyi na ye toko senga kaka na fachi beto a s'impliquer na nduna likambo etali liberté d'expression. Parce que Zali Moko ya lit o yo asala ki tango azali ki na opposition. Loko la deja okoma na pouvoir papa. E kosenga na yo penza ote yango pe ya pratique. Po modèle ya ba arrestation o ba taliba ba komi kosala. En tout cas, okozanga pena batu bakolobela yo po biso nyonso toko kufa na ba biro ya ane. Makambo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo. Entre ba FRDC na M23. Et comme il pensa copé ça mou tout passe yé pa y a ba Congolais. Depuis reprise y a ba affrontement y a ba M23 na ba FRDC et créé mo bangé na tension moko entre Kinshasa na Kigali. Wapé pa y ba fundana ki mutuellement na soirée y a lundi. Patrick Muyaya ministre de la communication peut porter parole y a gouvernement accusé Kigali na cause la sima y a ba M23. Kasi na mupanzi ya Rwanda pe, ba boyi yango ba lobi ezali Luvunu. Alobi li sou boyi. Depuis le 20 octobre 2022, ba M23 nde ba bandaki kolukela ba FRDC makambo na ko atake bango, et puis na ko bomaka ba civil inutilement, pe na ko kreye déplacement ya ba milliers ya ba Congolais na territoire ya Rutshuru. Na yango, ba azalaki lisusu na chwate, esengaki kaka bayebisa na ba FRDC ba réagir. Na ngambo ya Kigali pe basalaki communiqué de presse na soirée ya lundi 24 octobre oyo, wapie pa ibalobi boyi. Félix Tshisekedi asalaki ba déclaration ebele ya ndenge na ndenge, et puis azali ko affirmer que RDC azali focalisé sur une résolution diplomatique du conflit. Donc, ba déclaration oyo na ba action na ye, ezali penza kolakisa que Kinshasa est sur la voie d'une escalade militaire continue. Wana, c'est le porte-parole ya gouvernement rwandais. Kasi eloko mususu ezali penza kokoti sabulu eke na mitu ya batu, ezali ba akor ya ndenge na ndenge esalemi pona bitumba ya est ya République démocratique du Congo, tomona ki ba akor na armée ougandaise, oyoti lelo e produire ata eloko mon kote,
ba force régionale tilelo bunagana toujours occupé la ba M23 donc accord yango ndefudi pembe et puis na ba militaire ya EAC ya Kenya oyo esengela ki na bango ba ya ko soutenir ba FRDC kasi ko kamwa ba commandant na bango ba pesi ordre ba bundali susute ba zonga na bango na Kenya donc gouvernement congolais assis makambu oyo alukaki ba congolais ba komi tuna wapi diplomatie agissante oyo mokonzi ya mboka lakaki parce que balobaki que sur le plan diplomatique République démocratique du Congo flèche penza emati très likolo alors que ba accord nyonso o ezali signé ezali nango respecté te tala makambo ezali ko continuer na est République démocratique du Congo côté ya bilope ezali ko kamusa batu. Parce que FRDC bango moko balobaki que affrontement oyo est créé 4 civils tués na 40 blessés na territoire ya Rutshuru na ngambu ya gouvernement congolais balobi que affrontement est causé kaka 10 morts na 10 blessés alors mukolo ya lelo chef du village moko na territoire ya Rutshuru a salaki correspondance na RFI pour na koloba que affrontement oyo est causé kaka 10 morts Koutou Bakunda ki bango mkoulou lundi 24 octobre, plusieurs blessés, et puis na ba milliers de déplacés. Et zo banate, na ninde azali kolo ba vérité. Ya koka mweza ke, pour que ba FRDC ba attaque, il faut ba M23 nde ba bandaka nanou na ko bomaka ba Congolais, si manabango, ba zwa ordre ya ko réagir. Nde Patrick Mouyaya, atali si na port de presse na ye. Alors que, plus de 3 mois yango depuis Bunagana est occupé dans ma boko yaba M23. RDC, yo penza Zambi kaka kwa luzolo sino nan mawa mingi. Pourquoi va décréter l'état de siège? N'est-ce pas pour nous remettre fin à l'insécurité? Oui. Tant qu'on va décréter l'état de siège M23 zaki. Zaki te. L'état de siège zaki justement abaki ke toko nenge toza ko décréter to pesi a pesa ki d'abord ultimatum dans le groupe armé. Ou a lingia sa mandete, ou a lingia zonga moulongote, tu peux frapper sévèrement, dixit M. Félix Tshisekedi. Et après, il décrète l'état de siège. Les gens pensaient que le quoi, le bagui qui a frappé, tant que l'état de siège n'est pas frappé. Les opérations, il faut pas renforcer pour qu'il va sentir force de frappe armée. Ces groupes armés, au bazaï, au bazaï, au continuer à vivre, au continuer à opérer. A bakisi, c'est-à-dire état de siège, et bakisi M23. Monsieur Félix, c'est ce qu'il vous dit, qu'il faut renforcer la capacité à l'État à réagir. Mais M23 a frappé l'État, à s'installer. Félix, c'est ce qu'il a négocié. Il n'y a aucune aberration. On dit état de siège pour mettre fin à l'insécurité. Oui. Mais en même temps, on va signer des accords bidons, inutiles, mal réfléchis, inconscients, pour signer des accords dans le cadre de l'EAC. Décision à EAC, Baza Koya, pour se constituer en zone tampon. Décision à gouvernement congolais, bah, Costa Rica du sort. Ils allaient pour attaquer les bah, groupes armés. Dites-moi, est-ce les deux options ils allaient compatibles? Comment peut-on chercher, na côté Moko, il y a quoi attaquer les bah, bah, mabé, et de l'autre côté, il y a quoi créer un mécanisme pour que les bah, bosses bah, mabé. Est-ce normal, ceux qui vont s'engager, état de siège, na zone tampon, est-ce que c'est compatible? Monsieur Félix Tshisekedi est en train de vous vendre du vent. C'est du mensonge. Monsieur Félix Tshisekedi a te kimboka. Yali kambakolo bate. Biso tous aba congolais à makila. Tous aba congolais à makila. O zamboka na biso. Nzambe moto sala mokili, akabola mokili, apesa ba koko na biso Congo. Congo ya mboka na biso. Hein? Far de sa zona aibi pourquoi? Hein? Ye to tia ikuna to misakama misolo to ebi ki ya zawana pona ko bundela mabele mabele zelo ka sakala na ngote baza su nenge zawana atande ni ba ko tika ka ngoka ku iza ya biso mais wane za musala to vota e pona bongo ba strategie nyo so nezo konté ya ngwa nezo pesa ba resultat hein iza esengo pona biso ba kongolo ko leka ki no to frapper to sal biza esengo ba kongolo nyo so ba e ba ke kongo iza ya biso. Les Congolais ne sont pas les faire des la police et service de sa sécurité. Nabiso, petit peuple, beaucoup de Zayabiso. Le coup de Zayabiso a soutenir toujours faire des pots. Tout récupérer ma belle Nabiso.
et secondé yango na penza makasi bana mboka eza mboka na biso ata tozola la nzala likambote mais mabeleza ya biso likamba mabele basakala na ngote bozoka na meme na tango ya kala ba yuda bazo bundela nini mabele donc eloko to kosenga pa ba konza mboka ba ke mabele eza eloko ya mutuya koleka makamunyoso ti lelo tozoka na ba palestine kuna bitumba eza kali kama mabele donc biso penza il faut to bundela mabele na biso po elongo eza ya nzambe parce que mota pesa biso mabele. Oh, merci beaucoup na monté en posinga. Réplique na biso ezali d'abord ya esengo mingi to sepeli mingi na situation en Esaimi à Bunagana réaction ba faire décès. Mais to ebi ke situation wana e banika ndi wana te. Dans quelque part to zaki na ba infiltré na kati ya force armée na biso. Yangonde sali ke donc là, tout ça qui n'a pas infiltré, maintenant vous communiquez plein nyoso, y a pas faire dessin, ce qui faisait que moyen faire dessin a récupéré Bunagana et l'a quitté. Et maintenant avec le changement des nouveaux dirigeants de la force armée congolaise, c'est ainsi qu'avec Tshuwewe, il a appuyé sur l'accélérateur, il est animé du sang des Congolais, c'est ainsi qu'avec tout patriotisme, à cet effort dans le sens qu'il va récupérer Bunagana. Je sais que c'est une guerre qui va se terminer dans peu de temps. Oui, bon, c'est ce qui a donné un sang neuf. Sans cela, on ne pouvait pas avancer parce que tout ça qui est infiltré. Comment expliquer que Bino Boza va diriger un FARDC et que quelque part, Pesibino Minduki, Pesibino Teni Abasoda va retrouver Teni Wana et comme il y a un ennemi et comme il n'y a pas un ennemi. Ça se fait comment? Par quelle magie? Parce que Pesio, en tant que responsable de la force armée de la République démocratique du Congo, mais va retrouver Teni Wana et pas Bangouna Nabiso, et comme il y a un déni. Minduki peut maintenant comme il y a un déni. Ce qui fait que Zaki y a une guerre triguée, tout ça qui est dans la Kati, les dirigeants de la force armée de la République démocratique du Congo, Babana côté un plan, parce que quoi ça va? Bunaga n'a pas été en Bakota n'a pas été en Bakota. Est-ce qu'il y avait une guerre? Mais tu me dis la guité? Bakota qui bonnement. Parce que il sait que force armée congolaise qui est dégagée awa dans la position boyé bazongi sima na position wana ba envahir Bunagana, ce qui fait une guerre qui était truquée. Comme maintenant il y a des Congolais qui s'assument, ça va se terminer. Soyons patriotes, tous dans le patriotisme mboka isa mboka na biso tous dans mabele mususu de par RDC mabele dans mabele on nzamba pesi biso tous dans la fière na mabele na biso to défendre l'intégrité territoriale. C'est ça. Bon, merci pour la parole. Point de vue concernant Marama Bunagana, attaque oui, mais il faut victoire et ça l'a assuré. Faut tango bandier loco, et ça le wabi loco lia, tango bandi ko lia donc faut le bou etonda après au koki ko tika. Donc faire dessin na biso longona na bango. Babou de l'école ndenge sengeli et puis changement ya ndenge otio lo ba ke changement na tête ya commandement ya armée. Et ça bien. Tshuwewe a continué à servir Mboka, a trahi le logo là-bas, oh, ana balika ki. Il est vraiment à Simba Bendele à Congo, n'est pas à Congo, bah oyoka passi. Bisonyo sortez dans la semaine, a été soutenir et ça l'a bien. Non, en fait, toi encourager Bango, balance qui fait recrutement de 18 ans à 25 ans, voire même 30 ans, pourquoi intégrer nos armées. Armée, ça, ni moko donc symbolique à Mboka. Ce que quoi c'est que Mboka peut quoi. OK. Il faut tout monde en des réalités. Ce qui me concerne Mboka ça il va nomination moi peuple n'a que résultat. Ba na Mboka va mona que oui quand même ba nomination to salema. En tout cas, me concerne Mboka il va qui ko sala nomination en dengue singeli. Oui. En tout cas, ko tana to encourager et puis ce qui to moi vraiment que boiti na suka en tout cas to pesa moka ko so pas me concerne Mboka. Bon, mais ça, c'est ce que je veux dire. Les Congolais sont tous à la CAINI, tous à la Bolingo Mboka. Pour te dire que les Congolais sont passé à Mboka, les Congolais à l'Est, les Congolais à l'Ouest. Les Congolais sont à l'Ouest, les Congolais sont à l'Ouest, les Congolais sont à Banguna, les Congolais sont à l'Armée, les Congolais sont à l'Armée, les Congolais. Donc, tous à la CAINI, tous soutenir Mokonzi, tous soutenir la FARDC pour être Mboka à l'Ouest. Bendele tombe à Malikolo quoi. Ma mission TV, le miroir du monde.